Et rebonjour, c'est La Goule pour Canal VK. Deuxième vidéo de Open the Box du projet donc US Airborne pour Bolt Action. Donc c'est parti avec l'US Airborne Support Group, donc 43-44. Alors juste avant, elle était un peu cachée dans la boîte précédente, mais voici la planche de décalcomanie qui est fournie avec la boîte de para. Voilà, la boîte d'armée. Donc il y a la 101e, la 82e, les grades, hein, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait, vraiment. Ça n'a pas l'air trop gros non plus, parce que c'est vrai qu'à cette échelle, c'est toujours difficile de réduire, hein, parce qu'après, faut les fixer et compagnie. Donc l'initiative est excellente. Clairement, les deux symboles des deux divisions para-américaines sont... Ce n'est même pas facile à faire à main levée, donc le fait qu'il y ait justement des décalcos, c'est une super idée. Donc à voir avec le temps, je pense clairement les utiliser. Bon, moi, j'aime bien les deux divisions, voilà, la 101e, la 82e, c'est des unités emblématiques, hein, donc je trouve l'initiative excellente. Donc ça, c'est fait. Donc passons donc à cette boîte-là. Je voudrais faire un coucou au magasin Tactical Squad Dream Factor à Toulon. Donc le gérant Thierry, qui est un copain. Voilà, Thierry, bon, on ne le présente plus, hein, dans le milieu de la figurine, mais c'est vrai que c'est chez lui que j'ai acheté ces produits-là et d'autres. Voilà, toujours réactif. Il a une grosse gamme, il peut avoir beaucoup de choses. Donc et puis il connaît tout ce qu'il vend, voilà, c'est il faut rendre à César ce qui est à César, mais quand on l'appelle, quand on prend en contact, même si nous on n'habite pas super loin, j'y vais pas souvent, mais on a toujours affaire à un professionnel qui donne plein de conseils, qui suit l'actualité des figurines et des jeux surtout. Donc voilà, vraiment, et en plus il est très sympa, vraiment un chic type, il a un service d'expédition qui est ultra efficace. Voilà, vous commandez, deux jours plus tard vous l'avez en moyenne, c'est vraiment très bien, quoi. Donc voilà, ça c'était le petit coucou au niveau du professionnel. Alors on n'oublie pas les autres professionnels, évidemment, hein, plus il y a de professionnels qui distribuent la gamme, plus le public peut y avoir accès, et donc éventuellement s'y mettre à l'aide de démos, de coups de cœur et compagnie. Voilà, moi je connais vraiment Dream Factor, pour ce produit-là, mais bien sûr on ne n'oublie pas les autres, et surtout alors Games France. En attendant, si possible, un de ces quatre, une VF, ce serait vraiment énorme, de la part de Warlord, qu'on ait en fait, alors le livre de règles en VF on l'a, mais qu'on ait justement les suppléments, les livres d'armée en VF. Alors on peut toujours croire au Père Noël, hein, mais c'est vrai que par exemple autant sur le livre Armies of Germany, les livres d'armée, c'est pas super compliqué, faut pas non plus, c'est pas non plus du grand anglais, voilà, on constitue des listes et compagnie. Il peut y avoir quelques difficultés. Par contre, quand on part sur des livres de campagne, tels celui-ci, hein, j'ai mis celui-ci parce que j'aime beaucoup le supplément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes, il y a des scénarios où, bon, c'est vrai que si on pratique pas l'anglais ou si on a un peu des difficultés avec... ça peut être difficile à mettre en place et ça peut frustrer les non-anglophones, quoi. Donc c'est vrai que autant le livre de règles est en français, bon, moi je l'ai en anglais parce que j'adore l'anglais, hein, je le lis sans problème, et je le comprends, c'est parce que sinon ça sert pas trop à grand chose, mais bon, c'est vrai, voilà, si un de ces quatre on pouvait avoir les suppléments en français, ce serait vraiment super. Allez, petit aparté terminé, donc voilà, passons donc à l'US Airborne. Donc c'est parti. Donc là, par contre, elles sont en métal, donc ces figurines là en fait sont en fait, on va dire, l'ancienne gamme, ouais, parce qu'avant que Warlord Games
distribue, enfin produit et distribue le jeu Bolt Action et les figurines qui s'y rapportent. Il y avait une marque à l'époque qu'on achetait qui s'appelait justement Bolt Action. Et ces figurines-là étaient produites à l'époque. Alors, je me souviens plus trop le nom du sculpteur, mais voilà. Donc on peut dire que c'est les anciennes sculptures et celles que je vous ai montrées dans la précédente vidéo de l'US Airborne dans le starter, dans l'Army Starter 7. Les figurines produites sont un peu plus, on va dire, modernes et légèrement plus grandes. Pas grand chose, mais on voit que la sculpture est pas trop pareille. Voilà, j'aime beaucoup celle-là, ce kit. Déjà parce que ça me rappelle à l'époque quand on jouait en Seconde Guerre mondiale, alors Bolt Action n'existait pas, le jeu, on jouait avec les règles de la V3 de Warhammer 40 000, donc c'était plutôt cool, même si voilà, clairement Bolt Action ça a dépassé nos espérances en termes de jouabilité et de fun, mais c'est vrai que ces figurines ont quelque chose de particulier pour moi. J'aime beaucoup le soin apporté à leur conception, à leur sculpture. Il y a beaucoup de détails. Voilà, clairement, on est vraiment sur des très très belles pièces, donc très heureux de les avoir. Donc moi je vais mélanger les deux sculptures en fait dans mon armée. Voilà, Nofir, on est bon. Donc, pour les socles on s'en fiche puisque moi j'utilise pas ces socles là. Voilà, donc cette fois-ci c'est bien en blister avec la mousse, bah, elle est bleue, voilà, mais au moins il y a la mousse. Donc c'est parti, on va les ouvrir. Donc ça c'est pour l'arme d'appui. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça c'est celui qui est emballé. Les socles aussi. Donc là on a le support de la MMG. En avant. Hop. Alors du coup, dedans, on est censé avoir... Donc ça c'est une calibre 30 normalement, une Browning. L'officier, son aide de camp, un médecin. Là du coup, ouais, on va dire que c'est un deuxième officier. Il est une SM1, donc voilà. Donc un bazooka et son pourvoyeur et un chemical mortar, un mortier léger, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, c'est là. Le radio opérateur spotter. Voilà. Donc c'est le radio, ça va être celui-ci. Ok. Et une MMG. Impeccable. Donc, c'est parti. Donc ici, là, ça c'est le servant. Ça c'est le servant du mortier. Ok. Je vais essayer de focus un petit peu. Ouais, elles sont vraiment, vraiment super là. Ouais, vraiment. J'aime beaucoup le soin apporté. Il y a des volumes. Les pantalons, voilà, avec les poches qui ont l'air pleines de... Je sais pas, moi, de chocolat, de tout ce qu'ils pouvaient porter à l'époque, hein, des... Voilà, là c'est le pourvoyeur de la MMG avec ses bandes de munitions. Là du coup on a l'officier. Alors j'ai pas de la casse hein, sur la USM1, c'est juste que ici c'est tordu. Voilà, donc je le redresserai, mais il n'y a pas de casse sur l'USM1. Donc ça c'est toujours pratique avec le métal blanc. Voilà, regardez, hop. Tout doucement, on remet en place, impeccable. Ok. Donc ouais, lui il est bourré de détails. Lui clairement j'ai envie de le peindre avec son col 45. Vraiment ça c'est top. Ici on a le servant du bazooka. Voilà. Cool. Ici on a le tireur à la MMG. Donc c'est calibre 30. Ouais. Le bazooka, donc le tireur du bazooka, peut-être, alors pour les plus puristes d'entre vous, peut-être que le corps du bazooka est peut-être un peu fin, peut-être, faudrait que je vois un peu les photos d'époque,
Bon, il m'a l'air un peu fin en figurine, mais autant c'était ça, quoi. Après, c'est vrai c'était une bonne arme anti-char, c'était pas la meilleure au niveau dégâts, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez bien fourni dans les armées américaines, quoi. Ici, donc c'est le radio. Alors lui des potes. Ouais, j'aime beaucoup. Il croule sous l'équipement, le mec, quoi. Une pelle, la radio. Ici, il a tout ce qui doit être. Ouais, tout ce qui doit être munitions, remplacement de matériel et compagnie. Vraiment. Ah ouais, j'avais pas vu. Il a le téléphone contre la joue, là. Voilà, un peu comme les livreurs en ce moment. Ils ont les téléphones dans les casques. Ouais, c'est un peu pareil, quoi. Ok. Ici. Ouais, super. Le tireur du mortier léger. Ici, un autre servant de la MMG. Et enfin, le médic. Ah, ils sont cool. Ils sont très très cool. Ouais, lui pareil, hein, plein d'équipements. C'est très bien sculpté, les cheveux et tout, vraiment. Ils ont pas vieilli, ces figurines, quoi. Moi, j'ai vu ça il y a peut-être pas il y a 10 ans, mais il y a bien 8 ans, quoi. Donc, vraiment, vraiment très, très belle. Super. Voilà, et puis, ben, le restant de du mortier, tac, qui est ici. Voilà, un petit mortier léger, quoi. Donc, voilà, ben, écoutez... J'espère que ça vous a plu, vraiment très très bon matos, voilà. Ils sont vraiment jolis, ouais, comme d'habitude, hein, vraiment. Là on sent que, question sculpture, il y a beaucoup d'améliorations. Donc ça c'est vachement bien. Ok, donc ça c'est cool. Ok, tout est complet. Bah, du coup, deuxième point noir, encore. Donc le sachet avec... du coup, les figurines en vrac. Donc, Ariana, bon, ça n'a pas l'air d'être de sa faute, hein, mais c'est vrai que c'est un peu moyen. Donc, on a quoi là? On a le support du canon. Voilà, le canon de 57. Ok. Voilà, le mantelet. Ok, le mantelet, les petites pièces à côté. Du coup, il doit y avoir le mortier. Techniquement, il devrait y avoir le mortier. Voilà, il est là. Le mortier est avec ses servants. Donc ici, on a quoi? 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. On a bien 3 servants du mortier et 3 servants de l'arme anti-char. Bon, on va en prendre un là, comme ça. Hein. Ok, ça c'est bien. Ce que j'ai toujours aimé chez Warlord, c'est le soin qu'il trouve à la conception des poses des servants des pièces d'artillerie ou des pièces collectives, par exemple les mitrailleuses, les mortiers. Je trouve qu'il y a vraiment une recherche dans leur concept. C'est pas juste un mec lambda, enfin 3 servants ou 4 servants. Que l'on répète les poses selon les factions. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a vraiment du détail, notamment toujours une petite caisse, il y a toujours un petit élément scénique intéressant. Du coup, ça fait des bonnes compositions lorsqu'on fait les socles. On a beaucoup de vie, je trouve, dans les pièces, dans les socles en fait d'artillerie et d'armes collectives, quelles que soient les armées. Notamment, je me souviens, là, comme j'ai peint, enfin, je vais bientôt peindre ma 8e armée, ma 8e armée dans le désert. Notamment, il y a l'opérateur radio. Je trouve vachement bien, parce qu'il y a un singe, en fait, qui est là pour l'embêter. Voilà, il y a beaucoup de compositions, il y a beaucoup d'attention dans les poses. Et en plus, c'est bien sculpté, quoi. Ça donne vie aux figurines.
Et ça attire le pinceau, quoi, hein, y a pas photo. Hein, donc, vraiment un bon point Warlord dans ces conceptions-là. Donc voilà. Écoutez, mis à part malheureusement le packaging qui laisse à désirer pour tout ce qui est les figurines en métal. Donc je le répète, hein, j'aime bien quand il y a de la mousse, c'est un minimum pour éviter que les pièces s'entrechoquent. Parce que voilà, c'est vrai que bah, c'est un peu un gage de qualité aussi. Hein, on dirait livrer des figurines sur grappe, bah, au moins elles sont protégées par les dites grappes, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que les figurines métal, voilà, j'aime bien quand on pousse un peu comment dire, le professionnalisme jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors certes, Games Workshop n'est pas Games Workshop qui veut, certes. Quoique des fois, dans leur starter d'armée, ils sont aussi un peu légers dans la protection des figurines, mais quand même, voilà, une petite mousse de blister, un petit blister, une petite boîte comme font Perry, là. J'aime bien ce que fait Perry au niveau des petites boîtes en carton. Du coup, pour mettre les mecs dedans et tout, je trouve que c'est vachement bien. Écoutez, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bon, j'ai pas une super qualité vidéo, hein. Regardez, là, on peut voir encore l'opérateur radio que j'aime beaucoup, son petit téléphone là, accroché. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la suivante, en fait, on va voir l'USR Born Support Group. Donc ça, ça va être bien sympa. Parce que là, par contre, ça va être les anciennes figurines. Mais du coup, voilà, j'espère que cette boîte cette présentation vous a plu. Je compte sérieusement me mettre à la peinture dès le début de l'année prochaine. Voilà, c'est le projet. Même si à la 8e armée, le fait d'avoir ne serait-ce que déjà 4 unités de para peintes pour les démos, c'est vraiment l'objectif. Pour accompagner les Allemands, et puis après j'agrémenterai pour arriver à 1000 points. Là on n'est pas loin de 1000 points quand même, hein. Mine de rien ça monte assez vite. Dans cette liste, à part des Jeeps, et encore, mais c'est vrai qu'à part des Jeeps, il n'y aura pas de matériel mécanisé, il y aura voilà, pas de Sherman, pas de TDM-10, voilà, je voulais vraiment rester dans le terme des parachutistes. Et surtout pour pouvoir jouer nos campagnes avec les copains, quoi. Voilà, et bien écoutez, du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à faire vos commentaires. Hein. On débute, hein, Canal VK, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu artisanal. On est trois, on a pas mal de projets qu'on aimerait faire, dont un qui est... Voilà, qui avec les copains, j'espère celui-là fera date. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Bien évidemment, la qualité des vidéos, c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler un peu plus. Du coup, sur ce, bah, à très bientôt. N'hésitez pas donc à partager, à cliquer sur j'aime et ainsi de suite. Et puis à nous faire vos retours. Sur ce, bonne peinture et bon jeu. Ciao !